Voix de l'Amérique pour ces informations nationales et internationales. Mardi 28 mai 2024, VOA Créole content entrer la CAO pour le présenter au programme dans la langue créole. Haïtien, c'est deuxième sortie nous pour ce maintenant. Moi, c'est Jacqueline Bélizère, avec un grand point cap dominé actualité. Actualité dans le pays d'Haïti, Office Protection Citoyen OPC, mandé changement dans le haut commandement police nationale pour résoudre le problème insécurité. États-Unis justice dans New York, procès pénal historique ancien président Donald Trump, rivé dans phase argument final, envoyé un verdict bon côté 12 membres jury. La Norvège, Irlande et Espagne reconnaissent officiellement la Palestine comme un État 7 mois depuis que Israël à Masla commencé. Et puis dans le week-end dans Miami, dans l'État Floride, c'était grande première Message Saint, une production jeune réalisateur haïtien Robinson Loven. C'est bon ça yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment et puis jodi a dans New York et ses phases finales, ça aurait les arguments final dans procès historique ancien président républicain Donald Trump côté que et avocat défense et procureur yo même y a essayé convaincre et jury membre jury pour ouais si yo ta ou bien condamné ou bien acquitté ancien président. Nous allons rejoindre sous place dans devant tribunal là Valerio, c'est lui qui trouvait devant tribunal là pour VOA Creole. Valerio Saint-Louis. Justement, Jacqueline VOA Creole sous place en face tribunal là côté que dernier argument et dispute qui a fait dans le procès historique contre Donald Trump a commencé matin. Séance ça yo pour le bail prosecutor ensemble avec avocat défense yo dernière opportunité pour arriver convaincre jury sous culpabilité ou soit innocence Donald Trump avant que délibération yo commencé. Même jury yo pour le commencer travail ça pour décider si yo ka condamner ancien président américain pour accusation criminelle que yo détenu contre lui pour paiement l'argent qui associé avec un soi-disant complot pour acheter silence vedette film porno Stormy Daniels et pour enterrer ce scandale ça qui t'a écrasé campagne présidentielle li dans l'année 2016. Accusation principale là c'est remboursement l'argent ça qui a été payé Michael Cohen ancien avocat et ancien ami Donald Trump pour paiement l'argent $130,000 que le bail Stormy Daniels en échange pour y fermer bouche et pour ne pas parler publiquement et faire réclamation sous relation sexuelle avec Donald Trump en 2006. Procureur dit que paiement ça a été by Michael Cohen, avocat Trump là à l'époque, eh ben c'était une menti, une foulaille qui a été fait passer comme dépense légale pour cacher vraie nature transaction. Donald Trump a démenti toute accusation ça. Il a plaidé non coupable pour 34 accusations pour faux dossier magouille que il a fait dans business lio. Si tu as joué coupable, eh ben si tu as joué coupable de accusation ça il t'a prendre sentence jusqu'à 4 années dans prison. Argument final yo supposé dire toute journée jodi a jusqu'à présent il a continué en dedans tribunal là qui dès dom dans la jury supposé commencer le plus vite que demain mercredi. Pendant que jugement criminel là contre Donald Trump a déroulé en dedans tribunal là presque rivé dans fin li, plusieurs moun spectateurs moun qui vinn ouais belle merveille campé devant tribunal là matin les Donald Trump t'est rivé dans tribunal là nous t'est ouais un petit groupe partisan li yo qui t'est campé devant tribunal là et qui t'a prélé nous remet Donald Trump. Yo t'est campé devant tribunal là et les cortèges machine Donald Trump là t'a privé supporter t'est brandi drapeau américain et puis yo t'est metté képi rouge qui écrit eh ben make America great again. Nous t'est remarqué présence quelques membres dans famille Donald Trump yo matin dans tribunal là parmi yo petit garçon li Donald Trump Jr. avec Eric Trump, belle fille Lara Trump, petite fille Tiffany Trump avec Marilyn Michael Boulos. L'autre membre famille yo tant que madame ni ancien première dame nan, Melania Trump ensemble avec petit grand fille Ivanka Trump poko vin dans tribunal là assister séance et puis supporter ancien président. Même jury yo gen yon gros travail devant yo. Yo gen pou yo décider si yo doit condamner ancien président américain pour tout au soit yon nan 34 crimes que yo accusé pour yo. Après conclusion discussion finale yo qui continue à dérouler à dedans tribunal là, juge Juan Merchant pral passer environ une heure de temps à ba jury a instruction sous loi qui concerne car. La bien pour ba jury yo yon plan sous ça yo capable et ça yo pas capable prendre comme décision pendant que y a bien pour évaluer si ancien président républicain coupable ou soit innocent. Jury yo ka commencé en délibération et après plo demain mercredi a et c'est une décision qui pourrait déterminer avenir Donald Trump. Avocat Donald Trump peut passer plus facile 3 heures et demie à présenter argument yo pour défendre client yo et vers 1 heure et demie comme ça il était pour break et là dans moment yo retourner et fois ça c'est procureur qui a présenté caillou puis ta ouais yo qui a convaincre jury a puis même yo capable condamner ancien président Donald Trump pour VOA Creole en face tribunal là côté que jugement historique ça a déroulé contre ancien président américain Valerio Saint-Louis depuis Manhattan.
Merci Valerio Saint-Louis. Donc demain dans occasion ça encore nous n'a gain Valerio encore cap sous place devant tribunal là pour nous capable gain dernière information sous jugement ça sous procès ça qui ont procès historique. Actualité a mené nous connait et concernant ça qui a passé dans pays d'Haïti dans moment grand pile et parole qu'a fait sous force multinationale qui t'a doué entrer dans pays d'Haïti et ben président Kenya li dit VOA que conseil présidentiel transition Haïti approuvé accord été signé avec premier ministre Ariel Henry pour voyer une force multinationale dans pays a. Nous gen Sandra Lemaire qui gen détail sur ça. Dans une interview avec VOA, président Kenya William Ruto démenti déploiement policier kenyan yo en Haïti violer loi pays a. Monsieur dit il fait tout ça tribunal demandé le faire. The deployment of our security officers to Haiti has been endorsed by cabinet. Le cabinet a approuvé déploiement officier sécurité en Haïti. Tous les deux chambres parlement ratifiées. Nous répondons toutes demandes internationales et vraiment vrai, nous faisons tout ça tribunal l'a mandé pour nous faire. Tribunal l'a mandé pour nous signer un accord avec Haïti pour faciliter précisément déploiement ça. Premier ministre haïtien a voyagé Kenya et nous t'ai témoigné ensemble signature accord. Of Haiti travel to Kenya. And we witnessed jointly the signing of that agreement. Ruto di VOA li demande conseil présidentiel transition haïtien by consentement pour déploiement tout. I have also asked the transition presidential council in Haiti, the new arrangement there, to ratify and to confirm. Les dix mois mandé nouveau conseil présidentiel transition Haïti a pour ratifier et puis confirmer que il reconnaît accord qui était signé entre Kenya et Haïti que ancien premier ministre là t'est témoigné et moi gagné en écrit que il confirmé que gouvernement actuel Haïti a reconnaît accord ça et c'est sous base ça que nous pourrons déployer troupes nous yo et puis tout en accord avec règlement Nations Unies yo avec demande l'ONU yo donc nous très clair et moi-même, personnellement, moi clair sur ça, que Kenya satisfait toute demande légale à constitutionnelle, à internationale pour faciliter déploiement force. Constitutional and international obligations to facilitate the deployment of this police contingent. Président Ruto t'es parlé à collègue nous dans VOA Swahili vendredi soir. Puis bonheur vendredi, Ruto t'es rencontré secrétaire défense États-Unis Lloyd Austin dans Pentagone. Austin t'es répété même louange président Joe Biden t'es fait pour remercier Kenya pour volonté li pour diriger force multinationale là dans moment en pilote pays pas de café ça. Kenya's leadership of the multinational security support mission in Haiti shows the important role that Kenya plays in global security. Le leadership Kenya en mission support sécurité multinationale pour Haïti a montré rôle important Kenya joué dans sécurité globale là. Nous apprécions tout contribution Kenya porté dans opération la paix et stabilité Nations Unies. Et bien entendu, nous toujours reconnaissants devant Kenya pour support généreux libaye pour accueillir forces américaines dans Manda Bay. Pendant la rencontre là, Ruto te dit Austin que pays li content travaille avec États-Unis pour aider Haïti. It's time that we all show up for Haiti. Li dit li l'heure pour tout le monde aider Haïti et moi pour moi tout, nous prenons le travail avec l'équipe pour qui Jean nous ka fait ça ensemble. Pendant la rencontre Pali avec Ruto, semaine passée, à, président Joe Biden te promet support États-Unis pour Kenya et puis exprimer gratitude. Li. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Pendant ce temps, souterrain même dans le pays d'Haïti, gang yo continue à simer la terre et à provoquer en pile cas et assassinat dans la population civile là. Et nous attendons deux coupes missionnaires ça qui mourent dans le pays d'Haïti. Et c'est même moment ça tout que l'Office de protection citoyenne mandé pour un changement dans le commandement police nationale là pour être capable de résoudre le problème insécurité à Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Office protection citoyen OPC exige changement dans tête police nationale d'Haïtien pour capable faire face à
incapacité responsable policier pour arrêter attaque gang armée. Demande ça fait suite à assassinat jeudi soir dans Lison dans la plaine de trois missionnaires, yon couple américain Nathalie Becker Lyod ak Davy Lyod ak yon haïtien qui c'est Jude Montis. Selon OPC, changement ça est essentiel pour éliminer gang yo dans pays d'Haïti. Dirigeant en tête police là dépassé par situation et c'était analyste ak défenseur droit moun dénoncer complicité entre autorité la police et criminels qui agit en toute impunité. Dans déclaration li fait, OPC mandé conseil présidentiel de transition pour rétablir sécurité dans tout pays côté a déployer force multinationale appui à sécurité dans pays d'Haïti et créer conseil national sécurité. OPC mandé tout à nouveau dirigeant politique pays pour renforcer système la justice là et mettre en place une commission justice avec vérité dans l'idée pour possible tout autre crime et assassinat qui fait dans pays d'Haïti. Depuis installation conseil présidentiel là 25 avril 2024 là, gang armé yo multiplié action criminelle yo avec assassinat, enlèvement, viol femme actifi et puis tout bouler divers bâtiments publics, commissariat et poste police. Syndicat police nationale d'Haïti, Sinapoa, mandé tout pour un changement dans sommet police nationale là. Plus passé 30 commissariats poste de police ak antenne yo vandalisé et incendié depuis février 2024. Bandi Ameo qui regroupé sous nom Vive Ensemble selon sa OPC rappelé. Moi c'est Yves Manuel de Port-au-Prince pour VOA Creole. Et bien dans l'autre réaction par rapport à la situation dans le pays d'Haïti, il y a un ancien président et Jocelyn Privert qui souhaitait que le conseil présidentiel transition prenne toutes mesures qui adéquates pour résoudre le problème insécurité et puis organiser élection générale dans le pays pour remettre campé institution démocratique d'ici 7 février 2026. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince, Ronan Toussaint. Ancien président Jocelyn Privert qui était dirigé pays d'Haïti sorti 14 février 2016 pour arriver 7 février 2017, mandé conseiller présidentiel yo pour yo prendre toute disposition pour remettre campé institution démocratique yo à partir 7 février 2026, j'en sa prévoit dans accord politique 3 avril 2024 là. Tout compatriote haïtien digne de ce nom ne peut que souhaiter que ce conseil les mesurer l'ampleur de cette crise, son impact sur la vie des millions de compatriotes et prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que le plus rapidement possible nous fait ce retour indispensable à l'ordre démocratique et constitutionnel qui passe absolument par l'organisation des élections ou la remise en fonction des institutions républicaines. Ancien président privé, quoi, cependant, fuck problème insécurité à résoudre, pas seulement pour organisation élection générale, mais tout pour faciliter reprise toute activité sociopolitique et économique dans le pays, côté environ 12 millions d'habitants capables de vaquer librement à l'occupation. Nous pas besoin de sécurité pour nous faire élection seulement, nous besoin restaurer la sécurité publique et la paix des rues pour permettre que moun suspend mourir, moun suspend tomber en bas balle, moun suspend quitter caillou pour l'habiter sur des places publiques pour que bandit suspend chasser moun de leur domicile. Nous besoin s'écouter pour toutes ces activités et élection c'est un élément qui besoin sécurité. Et moi, pour moi, c'est assez léger pour nous ta réduire la question sécuritaire uniquement à la question électorale. C'est beaucoup plus que ça. Le nombre de compatriotes qui fuient le pays, le nombre de compatriotes qui ont couru quitter le pays, le nombre de compatriotes, d'investisseurs qui ont fermé un business, qui ont ruiné l'aéroport, les ports, nous besoin de sécurité pour toute activité, ça reprend. Les administrations publiques, les services à la population,
la salubrité publique, le nettoyage des rues. Nous besoin s'écouter pour nous rétablir toute activité ça. N'a pas venir avec plus de détails par rapport à qui ont parlé sous pays d'Haïti entre VOA Creole et ancien président d'Haïti Jocelyn Privert. Ou non tout ça pour VOA Creole Port-au-Prince. Voilà, c'était Rouyna Toussaint qui a gagné une interview avec ancien président Jocelyn Privert ou sous VOA Creole, ou suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer ou faire le bon choix. Et qu'on y a nouvelle dans l'actualité internationale à côté que la Norvège, l'Irlande et l'Espagne reconnaissent officiellement la Palestine comme un État et Israël considère la décision ça. Tant qu'il y a une récompense que bail groupe et que considère comme groupe terroriste que relé Hamas. Jean-Robert Philippe dit nous, eh ben les mêmes États-Unis, États-Unis dit les mêmes, ils ont décision qu'on s'est faite pour prendre en concertation avec deux pays en parlant de deux États qui t'a doué vivre ensemble. C'est ça en pile monde parler d'une solution deux États. Jean-Robert Philippe. Oui, effectivement, j'en dis Harry, mais son décision que qui pas fait Israël plaisir du tout, il pas marché dans le sentiment Israël, mais pour la Norvège, Irlande avec l'Espagne, mais même je crois que c'est la meilleure décision que prend et que c'est une décision capable déboucher sur un cessez-le-feu ou bien la paix dans la région, parce que et avec deux États palestiniens, mais États-Unis, lui-même, il était toujours dit que il faut que c'est négociations pour faire entre deux pays d'abord pour un État palestinien. Même les États-Unis disent par contre un État palestinien. Mais ce sont des décisions qui ont fait chemin. Entre temps, Israël continue à mener opération dans Rafah qui est situé dans le sud du territoire Gaza. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo. Pour les ministres, la Pedro Sanchez a déclaré reconnaître la Palestine comme un État, ce n'est pas une décision. Il prend contre personne, moins contre Israël, que nous respectons. Chaque gouvernement espagnol l'a ajouté décision à prendre ensemble avec Irlande et Norvège, pendant que l'Irlande militant à Massio. Décision voulait dire que l'Espagne a ajouté non sous l'esprit passé 40 pays qui déjà reconnaissent la Palestine comme un État. Responsable a ajouté pour gagner la paix à l'avenir, il est nécessaire pour gagner un État palestinien qui vivre côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité. Palestiniens dans la ville Ramallah qui en bas attaque l'armée israélienne malgré un tribunal de l'ONU mandé suspendre l'opération militaire la mener dans la ville qui est dans le sud du territoire Gaza, eh bien, ils battent bravo pour la décision trois pays européens. Résident, en cours employé municipal Kader Al-Fouk, déclaré c'est vraiment une joie pour l'État palestinien reconnaître dans le niveau international. Nous espérons plus pays à connaître nous comme un État, pour nous gagner indépendance nous et puis tout droit nous gagner. Madrid, Dublin avec Oslo déclaré qu'ils prêt à accélérer les efforts pour joindre un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël avec Hamas dans le territoire Gaza. Trois pays ont fait connaître, ils espéraient des décisions qu'ils prennent pour pousser l'autre pays à agir dans le même sens. Autorité palestinienne a accueilli décision Norvège, Espagne avec Irlande prend pour reconnaître Palestine comme un État. Parlement d'Amaclab, à côté de Pâle, rejeté une proposition quatre partis de gauche ont fait et qui était visé reconnaître Palestine comme un État, malgré espoir autorité. Vote final là, c'est 21 en faveur, 83 voix contre et puis 106 abstentions. Israël condamné décision de trois pays européens et européens pour reconnaître Palestine comme un État. Porte-parole gouvernement israélien David Mentzer déclaré Ireland, Norway and Spain are telling Hamas in a loud and clear voice that Irlande, Norvège, Espagne déclaré bien fort by Hamas l'innormal. Action été posée cet octobre passé. Il a déclaré par les Palestiniens éduquer les témoignages sous théorie et puis refuser d'accepter l'État juif par résultat. Pas aucun chita à parler pour bâtir un pont cohabitation pour mettre le monde ensemble. Non, pas sa pièce. Pays arabe encouragé et puis fait guerre à durer plus conflit, plus sang à couler, aussi simple. Israël pas fait silence face à pays qui a miné souveraineté et puis mette en danger sécurité. Non. Déclaration porte-parole gouvernement israélien. Président Joe Biden déclaré qu'il y a un palestinien deux résultats de négociation, pas une reconnaissance unilatérale, d'après déclaration de la Maison Blanche faite semaine passée. Jobert Philippe,
VOA Creole, Washington. Et puis, quand il y a une mise à jour sur la guerre Israël-Hamas, côté gentil Augustin Junior, fait nous connaît que ben, des dizaines de civils palestiniens mourir et blessés dans une attaque de l'armée Israël dans Rafah, en pile réaction qui sortit à travers le monde. Gentil Augustin. Dimanche 26 mai 2024 là dans Aswe, yon attaque aérien l'armée Israël la te lancé, te la cause yon gros difé qui te touye plusieurs dizaines moun nan yon camp en battant nan ville Rafah nan Gaza. D'après sa rapport yo te di, ayer lundi 27 mai 2024 là. De Rafah kwa peni nou ke million. Nan Rafah, nous déjà évacué environ 1 million moun ki pa combattant. Et malgré tout effort nous pour ne pas faire moun ki pa combattant yo mal, malheureusement genyon bagay mal ki passé. N'a mené enquête sou incident et puis n'a tiré conclusion parce que c'est politique nous. Premier ministre israélien yan, Benjamin Netanyahu te dit que attaque la pat fait avec intention pour touye civil yo. Attaque la te provoqué réaction bon côté leader mondial yo. Ki kounye ya a mandé pour appliquer une décision pigot tribunal Nations Unies en te prend vendredi 24 mai 2024 là qui te by lord pour l'armée Israël la suspend attaque li nan Rafah. Ministre Affaires étrangères Almaila mandé pour respecter décision tribunal là et li te déclaré I condemn this moins condamné ça qui passé ya nan terme qui pi fort possible. Pour chef agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens yo Philippe Lazzarini pa gen aucun côté qui en sécurité dans Gaza. I cannot comment moi pas ka fè commentaire sou pèt yo parce que nous pas capable communiquer bien ak équipe nou an ki sou terrain. Moi te wè image yo yo troublant sérieusement et puis yo terrible. Moi pense que nous te clair plus passé yon fois pa gen aucun espace qui en sécurité dans Gaza. Yon palestinien Palestinien nan Gaza tap kriye pou sèl ki mouri nan atak lame Israel la. Marili ak sa ki nan vant liyan, li te sèl nou te genyen. Epi li ale Avi Ayman, porte-parole Direction Nationale Diplomatique Publique te déclaré. Yesterday, Hamas terrorists fired 8 rockets from Rafah. Hier, terroriste Hamas yo te tiré 8 roquettes sorti nan Rafah nan direction centrale l'armée Israël la. Si Iron Dome pas de bloqué yo, yo te capable la cause gros accident. Pendant troupe force défense Israël la t'approché, Hamas te tiré roquettes yo sorti en dan population civile la entre yon mosquée ak yon l'école. Ça c'est méthode Hamas utilisé pour mener activité terroriste li en bas couverti propre population population civile là contre civil état Israël là yon double crime la guerre. Premier rapport sous difé nan Rafah qui te touye plusieurs dizaines civils dimanche 26 mai 2024 là si géré difé a te commencé après yon attaque israélien qui te visé des militants Hamas nan site bande Gaza. Attaque la te fait dans quartier Tel al-Sultan. Côté plusieurs milliers moun te prend refuge après force israélien yo te commencé yo offensive terrain sous bon soleil levé dans Rafah, ça gen plus passé 2 semaines. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil et ça avec reportage là que n'a bouclé et actualité dans région Moyen-Orient nous pral parler de cinéma jeune réalisateur haïtien Robinson Lovens organisé week-end ça en Miami na état Floride grande première nouveau film qui relait Message Saint concours métrage qui rassemble divers go acteurs producteurs et réalisateurs dans Caraïbes là Luxon Saint-Ville de présent personnalité dans plusieurs secteurs dans Florida à l'autre état aux États-Unis te répond présent dans Silver Spot Cinema dans Key Miami pour te venir assister à grande première film ça photo échange retrouvailles red carpet là t'est animé avant même film n'a commencé après environ 2 heures de temps c'est les pour participants ont rentré dans salle pour regarder Message Saint film ça qui c'est un court-métrage qui durait seulement 35 minutes. Robinson Lovens, réalisateur principal film nan, a dit nous qui ça qui cache des histoires ça. C'est le meilleur titre nous t'ai choisi parce que il vient en métaphore dans histoire là. Pendant cette histoire là, si on suivre, m'a le histoire film là mais et madame Marion t'a conduit la texte
malheureux. Et nous aussi l'autre message qui fait dans le film encore en pile fois nos relations avec un monde ou fou dans la rue des fois soit chercher à connait dans la cave, ça sont l'autre message encore. Après au film garder film nan participant yo chaque sorti a propre leçon pa yo et fait propre observation yo. Et mais surtout narrative nan, mais storytelling nan, façon que histoire la flow, lui permet que nous même comme dans audience nan nous vraiment capter l'essentiel. J'aime vraiment content pour m'être là et puis me pas déçu du tout parce que j'aime regarder movie, image là bon, histoire bon son bagage, me dit c'est félicitations et c'est ça nous voulons voir plus en communauté. Ça m'aime de movie hein. Ouais ça dans mon là, c'est pour lier. Pas chercher l'autre côté, c'est pour lier. Bal valeur, lever, caresser, valer titan. C'est ça m'aime dans movie. Je pense que message m'apprendre pour la vie, je pense que nous même qui pour regarder là la bon pour nous tous. So, fais-moi confiance, nous mettons pas carton, même j'en avais, j'aime pas carton. So, moi, je me détends, je ne pas m'en, je ne pas la sou. Message Sainte, un film qui rassemblait divers acteurs, producteurs et réalisateurs caraïbéens qui habitaient à participer dans un gros projet dans l'industrie cinéma. À travers film ça, qui c'est la première collaboration qui fait dans film communauté caraïbe là, initiateur au TV lancé un message. So, projet ça a un message, by le monde ou bien on dit by Hollywood, Bollywood, Nollywood, que nous même dans Caraïbes blanc nous avons créé un film communauté tout même parce que nous gain monde c'est juste nous pas gain unité. Message Saint fait dans objectif pour aller représenter communauté Caraïbes là dans tout gros festival film qui gain dans monde là depuis Miami, l'état Floride. Luc Saint-Ville pour VOA Créole. When did you tell me that? Can I tell you? Donc voilà, Message Saint, donc c'est une production jeune réalisateur haïtien, Robinson Lawrence, qui était organisé le week-end ça, grande première, yo, et donc c'est pour nous suivre, et tant que un pile monde demandé, c'est pour nous bailler valeur, ak, et réalisation qui a sorti dans la production haïtienne, yo, donc nous t'es content de gagner, et grande première ça. Et faut dire tout que pendant week-end là t'es gain Annie Alert qui t'est lui-même trouvé dans Orlando côté que lui mandé haïtien pour yo coller tête yo ensemble pour yo capable et retirer pays à dans situation là. Et puis dans pays d'Haïti n'a retourné dans actualité à côté que eh ben conseil présidentielle transition les mêmes sur route pour choisir un premier ministre. Normalement t'es gon débat qui t'es gain pour t'es fait et public, mais yo vinn changer que eh ben yo pas fait débat public encore, il a rencontré avec chaque sanitaire les et premier ministre Rabio pour yo au nombre de 5, bien que nombre n'est pas officiel parce que conseil présidentielle transition pas sorti quantité et moun que aucun bien, mais d'après certaines informations qui sont dites dans le pays d'Haïti, t'as semblé que c'est 5 moun que ont retenu et il y a pas la veille, il y a bien pour faire par Zoom ou bien par vidéo conférence n'a suivre pour. Et puis gagné Michel Patrick Boisvert qui lui-même selon ont arrêté que conseil présidentiel transition mettait dehors, et ben yo reconduit encore pour un petit bout de temps. Nous connaît que il était prend poste ça depuis les que premier ministre Ariel Henry tape quitté pays, mais jusqu'à présent et c'est lui qui l'a et il était même prêt on vote pour le tourner yon et premier ministre intérimaire. Mes amis, c'est un plaisir pour nous te servir. Merci pour attention nous et fond dit tout que grand pile monde qui gagne la peine pour Melchi qui lui-même pas finalement remporté Ligue Champion football féminin et Ligue européenne football féminin. Il a joué pour Lyon. Lyon a perdu 2-0 devant FC Barcelone, mais il sortit avec un prix pi jeune joueur et sous continent européen. Donc nous dit merci du monde et félicitations. Donc c'est là nous mettons fin au programme. Merci Franklin. Thank you so much Franklin for your service as usual. Et puis thank you Abela. Et puis nous dit tout le monde merci. C'est ton plaisir pour nous te servir. Donc rendez-vous c'est pour demain. Moi c'est Jacqueline Bélisère. Moi je merci parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience ou. Moi pour aller m'a quitter ou n'abra papa Bodje parce que c'est lui même celle qui est capable de protéger bon la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas m'se Foucault. Rendez-vous cassé demain matin 7h. Bisous, bisous. One love.